أمن جزا بريزنت الأدعيات والأذكار Les invocations et rappels authentiques. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Après les prières obligatoires. بسم الله الرحمن الرحيم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire après la prière اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Soyez vigilant dans la prononciation de ذكرك. Il s'agit de la lettre ذل. Il n'y a pas d'équivalent dans la langue française et ne se prononce pas comme la lettre Z de l'alphabet français. Pour vous aider, sa sortie se fait du bout de la langue, en assemblant approximativement le son de la lettre D et Z comme dans le mot ذكر. Répétez après moi. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Voici la prononciation de l'invocation lorsqu'on ne marque pas de temps d'arrêt. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dans le commentaire de l'invocation, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit « Dans cette invocation, le serviteur demande à Allah de l'aider à accomplir trois choses. L'évocation, le remerciement et l'adoration de la meilleure manière. Car le croyant doit ressentir trois choses au moment de l'adoration. La soumission à Allah, le besoin d'Allah et l'asservissement. » إياك نعبد وإياك نستعين C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons l'aide. Je pense que nous n'avons pas atteint le plus haut degré dans ce domaine, car les gens se divisent en quatre catégories. Certains adorent Allah et demandent son aide. D'autres ne l'adorent pas et ne lui demandent pas son aide. Chez certains, la demande d'aide prime sur l'adoration. Chez d'autres, l'adoration prime sur la demande d'aide. Et la meilleure de ces catégories est la première, celle de ceux qui réunissent l'adoration et la demande d'aide. L'homme fait ses ablutions et ne pense pas un instant à demander l'aide d'Allah pour accomplir ses ablutions. Il prie et ne pense pas un instant à demander l'aide d'Allah pour accomplir sa prière, et il ne se rend pas compte que si Allah ne l'avait pas aidé, il n'aurait pas pu prier. Les gens se divisent donc en quatre catégories. En réalité, ces choses nous échappent. Maintenant, je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, d'apprendre cette invocation et de la mettre en pratique. Qu'Allah vous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.